Nazo yemba po nako kite, nako kite, nako kite. Nazo yemba po nako kite, nako kite, nako kite. Atangwa likambo, batale la ka ami, basusu paparon, relation zanango. Kananeza différent, awana betisa, atama yeningani, nanya bwakayo, natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema, nangai, natila yo motema, itumba nanga bundolo ngaye, natila yo. Mutima Saba ote kote langa Natila yo mutima Ponandoto na lodaki Paini nga pamba Bateki nga na wenze Natikali izole Na kweisi goliata Basupso nenga ye Balobina anvie Kiti na ye o Na kimi masumu Bakangeli nga porta Bolingo esili Na zonge pana piso Kobengo benga ngaye Eko misi nga sible Oba imilie ngaye Souviens-toi de moi Oh, natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema nangai, natila yo motema, bituma nanga bukolonga, natila yo motema, saba ote kote nangai. Natila yo motema Natila yo motema Oh, Natila yo motema Natila yo Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head. But I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you?
Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Tout va bien, tout le monde est là, on se détend. Bien, donc, on est réunis, je suis contente de vous recevoir au nom de monsieur le maire Jean-Claude Lambon, avec sa fille, pour célébrer le mariage de Montubolo et de Sanda, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc je vais vous demander déjà, est-ce qu'il a été fait un contrat de mariage? Je connais la réponse, mais je pose comme la question. Non. Non, très bien. Je vais procéder à la lecture de certains extraits de l'article du Code civil. C'est obligatoire, donc je vais vous demander en ce moment un peu solennel de vous lever, de façon à ce que je puisse procéder à la lecture. Derrière aussi, je vais bien se mettre. Merci à vous, tout le monde se lève. L'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà pour ce qui est des articles du Code civil qui sont très axés sur la famille et la descendance. C'est pas moi qui ai choisi ces articles-là. Bon, maintenant, le moment crucial du mariage civil qui dure très peu de temps, il s'agit en fait du partage du consentement. Donc je vais demander à Mompolo Lufon Kenda, Monsieur le Président, consentez-vous à prendre pour époux Sanda Dia, ici présent? Oui, j'ai levé. Nettement. Sanda Dia, ici présent, consentez-vous à prendre pour épouse Mompolo Lufon Kenda? Oui, avec plaisir, oui. Avec Donc il y a deux grands oui là. Hein, au nom de la loi, je déclare Mompolo et Sanda unis par les liens du mariage. Comment? Alors nous sommes là, il faut attendre déjà que madame ait lu l'acte. Et
parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans l'acte d'état civil. On est signé et ensuite, enfin, vous êtes marié, on peut changer d'avis. Vous voyez, chaque chose en son temps. Vous avez votre photo, n'hésitez pas. Asseyez-vous tout le monde. Écoutez bien, parce que s'il y a une erreur, parce que ça nous suit dans le papier. Le 29 décembre 2018, à 15h30, nous durant le mot encore parlé publiquement à la maison commune, sans date, au vu des tumultes. C'est plus fort, je pars. J'ai une petite voix, donc. Soldat Dia, ouvrier de bâtiment, né à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 14 novembre 1970. Domicilié à Sergi, l'infirmier de la justice orange, fils de Souba Kiala et de Marie Andona. Et en bon boulot, ça, le Fion Konda, femme de chambre, née à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 24 octobre 1973, domiciliée à Sergi, l'offrie de la justice orange, fille de Muzuzu Matusalem et de Hélène en bon boulot. Sur notre interpellation, les faits qui répondent ont déclaré qu'il n'a pas été fait des contrats de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons annoncé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Bernard Thierry Wawa. Et des Norbert Concondé Miso. C'est moi. Témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux, les témoins ont signé avec nous. Elina Corvin, adjointe au maire de Sergi, officier de l'état civil. C'est bon ? Oui. Alors, madame, je vais vous passer le premier. Vous signez sur chacune des deux pages, entre les deux lignes. Vous pouvez poser votre bouquet. Hein. Bon, regardez les photographes. Hein. Merci. Après, vous voulez qu'on vous couchez là. Il faut qu'elle enlève. D'accord. Sur l'autre page aussi. Vous prenez pas juste autour, me regarder et faire ça. Ensuite, c'est monsieur et ensuite monsieur. D'accord. On reste marié, mais certains se disent. Une photo ? Oui. Non, faut juste me regarder quand vous. Montez les deux pattes maintenant. Voilà. Bravo.
remercie de très acte de mariage pour régulariser les situations administratives, ainsi que le livret de famille qui est contenu de remplir, bien entendu, ainsi que les vœux de monsieur le maire. Et je vous félicite, je vous souhaite beaucoup de bonheur, évidemment un excellent bon début d'année, mais visiblement ça commence assez bien. Merci. Donc soyez heureux très longtemps surtout. Merci. Bravo encore. Merci. 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 Mokote
motona me mi he paina yo moteme lingie na he piazana ba faiblesse qui me fait mal au cœur, c'est parfois insupportable, qui fait mal à la tête, ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na puti he paina ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Na sengyo sala yengolu bisika banda ki kokwea e koma point fort na ye moteme lingie ye oyo olingondanga ye oyo na lota kyango na ndoto lo sambo e futi pe ngayo ye oyo kobombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo e elamba yango yango yo. Thank you.
C'est notre star d'aujourd'hui. C'est la star du jour. D'aujourd'hui et de toujours. De toujours. C'est la femme de quelqu'un. Donc, désormais engagée et pour la vie, pour l'éternité. Je suis contente parce que c'est mon jour. Voilà. Moi et mon mari, on a fait 26 ans. Waouh, waouh. Donc, 21 ans ensemble. Waouh. Et puis 5 ans. Comme. Copain et copine. Donc je suis heureuse. Aujourd'hui il m'a honoré. Donc, il faut monter aussi la bague. La bague. Il faut monter aussi là. Ça m'a fait du bien. Je suis contente parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de mariage. Moi et mon mari, on a fait 26 ans, 21 ans en mariage et puis 5 ans comme copain et copine. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'elle m'a honoré devant tout le monde. Je remercie Dieu. En tout cas, merci mon Dieu. Wow. Parce que tu as réalisé mon rêve. Merci beaucoup. Wow. C'est très spécial cette journée. Mm. Ça restera gravé. On est vraiment content. Moi, surtout moi, je suis vraiment content d'avoir de tels parents. Parrain. Donc, je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli. C'est vraiment des exemples pour nous. Et nous, des jeunes couples, des jeunes mariés, on est vraiment contents d'eux et que Dieu puisse bénir leur mariage et qu'ils puissent aller de l'avant et que Dieu réalise encore leurs rêves. Ouais, alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est une femme que j'ai connue il y a 6 ans comme copine et 21 ans comme femme. Et 20 ans comme la maman de mes enfants. Donc je suis très heureux pour cette journée, pour cette soirée. Et je l'ai honorée, elle m'a honoré. Et voilà, on a voulu, devant les hommes et devant Dieu, honorer cette journée. Et c'est la femme de mon enfance et c'est la femme de ma vie. Donc on ne se quittera jamais. Je vais le dire aussi devant tout le monde. Yes. C'est vraiment la femme de ma vie. C'est la femme que Dieu m'a donnée comme cadeau dans ce monde. Amen. C'est tout ce que j'ai. Merci. Ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci de mes os. La chair de ma chair. La chair de ma chair. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Thank you.
fort en main et mon côté. C'était en ce moment, Ibala et Bandaki, les derniers. Voilà.
Come on.
oncle Marie. Je voulais faire nos bien-aimés frères et sœurs, famille, église, serviteurs, servants de Dieu. D'emblée, nous vous remercions pour votre disponibilité d'honorer notre invitation. C'est un plaisir partagé. Nous voulons faire un service inédit. Cela veut dire que nous allons passer maintenant à la bénédiction nuptiale. J'ai besoin que tout le monde puisse me suivre. Parce qu'il y a un message à passer. Et nous allons bénir le marié. À titre d'information, le marié, ce n'est pas pour la première fois qu'ils sont mariés. Ils sont déjà ensemble à partir de la famille plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 20 ans déjà, c'est beaucoup. Hein? Depuis qu'ils sont connus, je pense que c'est 25 à 26 ans. C'est Jacques une bonne mémoire. C'est une grâce. Et ce soir, par la grâce de Dieu, ils étaient passés à la mairie, registre office, et ils ont reçu la bénédiction de l'État. C'est une grâce. Et maintenant, ils vont recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. C'est un couple qui sert Dieu, papa et maman. Ils ont déjà 4 enfants, des beaux garçons et des belles filles. Et nous voulons passer un message. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Le message ne va pas seulement concerner le marié, mais ça peut nous concerner presque nous tous. Nous y connûmes qu'à toutes circonstances, nous devons rendre gloire au Seigneur. Je vais appeler mon fils bien-aimé, le pasteur Norbert. Il va faire l'ouverture de notre cérémonie. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Ensuite, on va passer le message. Suivons la prière. Si vous pouvez nous recueillir, s'il vous plaît. Nous allons incliner nos têtes et nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, entre tes mains, nous abandonnons les débits de cette cérémonie entre tes sentiments. À Cana, tu as parlé à cette femme, Marie, parce que tu es entré en action, et parce que toi tu es entré en action, le cours de cette cérémonie, de ce mariage à Cana a changé. Nous ne voulons pas commencer ce programme sans t'associer. Voilà pourquoi nous t'implorons, Père, du début jusqu'à la fin, que tu puisses nous assister, que rien ne puisse venir perturber à ces programmes. J'implore le sang de l'agneau, celui qui est mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Oui, j'implore ce sang qui puisse circuler dans cette salle et que toute personne infiltrée, toutes les complicités, le plan de l'ennemi enseigné, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que ton nom soit béni, car ta parole déclare que le mariage soit honoré de tous. Nous sommes là pour honorer nos bien-aimés qui se sont mariés aujourd'hui, et nous sommes là pour que nous puissions leur apporter notre amour, que nous puissions leur apporter notre soutien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, j'ai besoin, merci, homme de Dieu, t'es apprécié. J'ai besoin de notre attention, s'il vous plaît, pendant ces quelques minutes. Nous avons commencé le service en retard. Là, le programme sera à marathon maintenant. Pour que, avant que je commence à passer le message, pour des raisons de sécurité, je sais qu'il n'y a rien qui peut est arrivé par la grâce de Dieu, mais physiquement tant que des hommes, par des raisons de sécurité, nous avons une porte de secours ici, juste derrière notre caméra là-bas, première porte de sécurité, et là au fond, juste au coin, à gauche, nous avons deuxième porte
de sécurité à Caen de problème. Nous avons juste une porte d'entrée et tout droit, nous avons le service de protocole qui peut vous diriger, aller là où il y a la toilette. Nous demandons à nous, je vous en supplie, par l'amour, la compassion de Dieu, la discipline, que nous puissions honorer cette place. Nous avons des obligations, des droits, et là on peut toucher, on ne peut pas toucher. Partout c'est comme ça. Nous sommes tous une seule famille, alors honorons cette place, honorons le marié, honorons la parole de Dieu, et pour la gloire du Seigneur, d'emblée je vous dis merci pour la compréhension. Bien-aimés, nous y connûmes nous tous à propos du mariage. Si notre DJP peut baisser la musique, s'il te plaît. Nous parlons à propos du mariage. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Déjà, Dieu, il brise le célibat. Il dit, voici pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, ses parents. Il dit, pas la femme doit quitter, c'est l'homme qui quittera. La femme, on fait les transferts d'une vie à une autre vie. Il s'attachera et tout deviendra une seule chair. Ce soir, par la grâce de Dieu, nos bien-aimés, ils ont pris le temps de s'engager, d'honorer la parole de Dieu. Le mariage soit honoré pour tous. Quand nous parlons de mariage, on parle de l'homme et la femme. Je ne parle pas de l'homme, la femme et la femme, non. Il dit s'attacher à sa femme, pas à ses femmes. Dieu brise déjà la polygamie à sa femme. Et quand nous parlons le mariage, c'est une école que chaque jour a ses réalités. Sans nous dire que l'accomplissement vaut mieux que l'évidence. Si Dieu qui a instauré le mariage et que nous vivons ensemble sans celui qui a institué le mariage, il y aura séparation, il y aura divorce. La plupart des gens commencent à s'unir, ils sautent les deux premiers verbes. C'est la raison à laquelle il y a divorce. Les gens s'unissent, deviennent une seule chair avant qu'ils puissent quitter et avant qu'ils puissent s'attacher. La fois passée, j'ai parlé que le verbe est quitter, ça prend 30% pour le divorce. Le verbe s'attacher, ça prend au moins 40%. Le verbe signer, c'est 30%. Il n'y a pas un mariage parfait. Quels que soient les problèmes, quels que soient votre race sociaux, les niveaux de titre que vous occupez, les problèmes dans le mariage est inévitable. Il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas une femme parfaite. Mais la Constitution nous dit que la parole va commencer à laver. Si celui qui a institué le mariage, il est au centre, si nous disons, il est christocentrique dans le mariage. Je vais parler de quelques secrets rapidement. Le premier secret dans le mariage, c'est la communication. Il y a des couples qui ne se communiquent pas. Et la communication, c'est la fondation de notre mariage. Vous voyez, il y a des gens qui vivent comme mari et femme, mais à l'intérieur des murs qui sont cachés, ils sont divorcés. On les appelle qui sont mariés. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils vivent comme des célibataires. Mais on les appelle qui sont mariés. Il y a des gens qui sont mariés, mais à l'intérieur là, ils vivent comme s'ils ne se connaissaient pas. Mais ils sont sous les mêmes toits. Ce n'est pas les mariages. Si Jésus, celui qui a institué le mariage, n'occupe pas la place centrale, parce que si Jésus est là, il y a l'amour. L'amour sans intérêt, sans condition, il y a l'amour. La Bible dit que Dieu, il a créé l'homme pour sa gloire. Il n'a pas créé la femme pour sa gloire. Il a créé la femme pour la gloire de l'homme. L'homme a une obligation d'aimer sa femme. Comme papa Romain, il est là. Beau qu'il est aujourd'hui comme auparavant. Je n'ai jamais vu mon frère bien-aimé être comme ça, amélioré comme ça.
il est trop spécial. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Oh, si tu peux faire mieux que ça. J'ai dit que tu peux faire mieux que ça. Si tu as promis, tu appelles à ta bénédiction. C'est plein d'esprit à Pierre, au Pézoya. Amen. Mais regarde mon frère tel qu'il est. Je l'appelle aujourd'hui un presse. Hein? Ça que j'arrive chez Queen Mad. Ça, c'est un phénomène extraordinaire. Je l'ai dit ce soir, si tu es comme ça chaque jour, il me dit waouh. Hein? Maintenant, papa Romain, lui, il est obligé d'aimer sa femme. La femme n'aime pas, mais la femme se soumet. Mais avant la soumission, il y a d'abord l'amour. C'est l'homme qui est obligé d'aimer la femme. L'homme doit voir sa femme comme la femme la plus belle du monde. Bon, je ne sais pas si c'est pas à quelqu'un ce soir. Et la femme verra son mari comme l'homme le plus beau du monde. Quel que soit qui va un homme qui a beaucoup d'argent, étudié plus que lui, quelle que soit sa faiblesse, aussi longtemps qu'elle a accepté de s'asseoir ce soir, il dira non. Parce que mon mari, malgré ses imperfections, sa faiblesse, il est l'homme le plus beau du monde pour moi. Amen. Amen. Et quand papa, il aime sa femme, il aime sa femme comme son corps. Personne ne peut haïr son corps. Quand tu aimes ton corps, tu vas soigner ton corps. Tu vas protéger ton corps. Tu vas aimer ton corps. Maintenant, quand papa aime maman, automatiquement, maman va donner l'océan de soumission. Il me dit que l'homme, il est modèle. Ce n'est pas dit que l'homme est dictateur. Il y a des mariages qui sont des Hitler. Non. Les mariages d'Hitler n'existent plus. Si ça a été, mais 1 plus 1 égale à 1. Deuxième principe de le mariage, que ça soit uni, il faut que nous soyons un. La Bible dit pour éviter des divisions, des séparations, des conflits, il faut que vous soyez un. C'est tous les domaines. On n'est pas seulement un au lit. Non, on est un en esprit. On est un en finance. On est un en projet. On est un dans la cuisine. On est un à maison. Et quand on est un, la famille de papa Romain automatiquement est la famille de maman Fagi. La famille de maman Fagi automatiquement est la famille de papa Romain. C'est comme Eric disait à Naomi. Il dit, si on prend un parti, moi je ne parle pas. Ton peuple sera mon peuple. Ton père sera mon père. Ta mère sera ma mère. Là où tu vas demeurer, moi aussi, je demeurerai. Là où tu vas manger, moi aussi, je mangerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Papa, bon Dieu, appelle papa Nangai. Ma bokula, bon Dieu, moi, c'est qui tombe au Inaï. Mais non. Si nous avons la communication dans l'amour, il y a tout. Dieu nous fait grâce que ce soit. Vous trouvez des maris, des mariages. Les gens ne se parlent pas, mais ils sont sous les mêmes toits. Comment vous allez faire des bons songes? Pour dire que dans la manamouté, on dirait dans la nocaoutine Afrique. Té, yono fungoli ma porte. Et troisième principe pour que l'amour soit fondé, il y a le pardon. Je sais que les mamans pardonnent difficilement. Maman peut pardonner, mais n'oublie pas la date. Quand il y a un problème, il va encore revenir pour dire « Soyez un kanisi mukolwana. » Et la Bible dit « Oazo kanisa mukolwana » et on a pris ça sur la division. L'amour pardonne. Quelqu'un peut dire avec moi « Amour pardonne. » L'amour pardonne tout. L'amour ne suspecte pas. L'amour aime. Les femmes de l'Europe disent que ma papa va attendre rester. Papa, quand il aime, il n'est pas dictateur. C'est un modèle. Quand ils sont un, mon salaire, ma femme connaît. Son salaire, moi je connais. Nous sommes un. Quelqu'un peut dire avec moi un. Nous sommes un en finance. Hein? Nous sommes un même métier. Hein? Nous sommes un même famille. Hein? Nous sommes un en chambre. Hein?
nous sommes un dans la famille. Hein? Quand les problèmes viennent, il faut aller voir celui qui vous a uni. Pas prendre le téléphone, commencer à appeler. Ces gens vous connaissent déjà. Quand ils écoutent le téléphone, bango pe balekisi. Kaka ya bengaka. Ya makamna bengaka. Te poniga yo bengaka. Benga Yesu. Amen. Alors je m'attendais que tout ça disait amen. Quand nous avons un problème, hein, mon oncle n'est pas la solution. Ma tante n'est pas la solution. Ma voisine n'est pas la solution. La première personne qui a institué le mariage, c'est la solution de ma vie. Que je dois courir, c'est cette personne-là. Par manque de pardon, il y a les fidélités. Manque de communication, il y a des divorces, il y a des séparations. Les divorces parmi nous, c'est comme du roi boire maintenant. Et si nous avons l'amour, nous avons l'unité, nous avons la communication, le mariage, c'est un acte privilégié par le Seigneur pour restaurer notre vie, être en communion avec Dieu et par son corps de Christ. La Bible dit que Adam et Ève, ils étaient nés. Cela veut dire, quand on parle de la nudité, on parle de la vérité. Le téléphone de papa, c'est le téléphone aussi de... Bon, j'ai dit le téléphone de maman, c'est le téléphone aussi de... Il y a des papas qui dorment avec le téléphone. Quand il sort le téléphone, il est à côté du téléphone. Quand il oublie le téléphone, il doit revenir à la maison. Et maman, quand elle voit, je viens de retour de Kinshasa, son téléphone est pris pour papa. Comme papa vient, son téléphone est pris pour maman. Mais nous sommes un, pas seulement au lit. Nous sommes un sur tous les domaines. Quelqu'un peut dire avec moi tous les domaines. Nous sommes ainsi tous les domaines. Amen. La Bible dit que l'homme, il est à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. La femme, il est à l'image de l'Église. À cause de l'Église, Jésus, il est parti jusqu'à la croix. Papa, Obama, maman, Kenneth, il est pour nous. Ce n'est que la mort qui paye. Oh, la mort qui paye. Tous les gens qui ne sont pas encore mariés, faut pas te marier par comparaison, faut pas te marier par challenge, faut pas te marier parce que l'autre s'est marié. Il faut faire le choix. Le mariage, c'est un chemin de sens unique. Le choix n'appartient pas à Dieu, le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Voilà pourquoi il faut décider avant de faire le choix. Il ne faut pas faire les choix dans la plaisir comme ça, dans les Facebook, WhatsApp, Instagram et Imo. Non! Je n'ai jamais vu quelqu'un dans les réseaux sociaux mettre sa photo organique. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nos bien-aimés, ils ont honoré le Seigneur. Et nous sommes ici ce soir, c'est parce qu'ils ont honoré le Seigneur. Pour honorer le Seigneur, il faut payer le prix. Il faut la patience. Il faut le sacrifice. Si aujourd'hui il y a des divorces, parce qu'il n'y a pas l'unité. D'autres divorces, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la sorcellerie. D'autres divorces, Dieu aussi peut être à l'auteur de cela. Mais ce que je vous en supplie ce soir, que tout le mariage à sceller soit renoncé. Et que le Seigneur y règne dans le mariage. Ces couples, pendant au moins 25 ans, 26 ans, ils se connaissent, ils sont ensemble. Ce n'est pas dit qu'ils sont parfaits. C'est tout simplement, c'est un mariage des dieux. Amen. Jésus, il est au milieu de ces mariages. Quand il y a un problème, il y a le pardon. Il y a l'humilité. Il y a la considération. Il y a le langage, la façon de parler. Quand une femme parle à son mari, il sait que je parle à mon Seigneur. Je parle à mon patron. Dieu n'a pas changé. Les dieux de Paris, c'est les dieux d'Amérique. Les dieux de Paris, c'est les dieux d'Afrique. La Bible dit qu'il n'a pas l'ombre de variation. Il est immuable et inchangeable. La culture ne peut pas changer notre mariage. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça peut vous parler. Bien-aimé dans le Seigneur. Je demande à ces couples serviteurs de se mettre debout dans votre chaise, s'il vous plaît. Laissez-moi là, vous êtes, mettez-vous debout. Je vous félicite. Tout ce monde ici sont venus.
pour vous honorer. C'est une grâce. Et comme vous avez honoré le Seigneur, le Seigneur va vous ouvrir des portes après ce que vous avez fait aujourd'hui. Là, je parle maintenant comme un prophète. Vous verrez des portes qui seront ouvertes de génération en génération, à vous, à vos enfants et à vos enfants, parce que vous avez honoré Dieu. La Bible dit, ce que Dieu a joint, personne ne sépare. Quand tu es joint, ni la sorcellerie, ni la coutume tradition n'a plus l'autorité dans le mariage. Parce que celui qui a créé le mariage prend contrôle du mariage. Il est temps de savoir à qui tu peux faire le choix. Pour terminer, le quatrième principe, dans le mariage, il y a des obligations, il y a des droits, il y a des devoirs. Papa a ses obligations tant que papa, de faire à la maison. Si papa ne fait pas ce qu'il faut faire, trouble Mado Kotanandam. Si maman ne fait pas ce qu'il faut faire, trouble Kotinandam. Et si les enfants ne le font pas, trouble Kotinandam. Je bénis le Seigneur pour ces couples qui aujourd'hui sont devant nous. Ça fait longtemps, des années que je les connais. J'ai un bon témoignage au fond du cœur pour eux. Dieu bon, Dieu merveilleux. Papa, regardez-vous face à face. Waouh! C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Nous voulons passer ce qu'on appelle une liturgie. Liturgie veut dire à la louange de Dieu. Gloire soit louée au Seigneur. Papa, maman Benaye, dis-je, j'ai besoin d'un micro. Si, y en a. Oui, merci. Bless. L'un de nos enfants peut venir ici devant, tenir le micro. J'ai pas appelé mon frère Agé. Frère Agé, s'il te plaît. Oui. Merci. Que Dieu te bénisse, papa. Oui, sois à côté de papa Romain. Laissez faciliter les caméras. Ok. Papa Romain, je vous demande. Comment tu vas, maman, aujourd'hui? Je la vois comme je ne l'ai jamais vue. Wow! Il voit maman comme elle a jamais vu. Hein? Waouh, ça a commencé, c'est là. Rapidement. C'est nouveau, ça. Nous allons rapidement. Papa, vous allez répéter cette phrase après moi. Et devant tout le monde ici. Et devant la famille. Et devant Dieu. Oui, merci. Moi, Dia Sanda. Tu peux répéter après moi. Moi, Dia Sanda. Je prends engagement. Je prends cet engagement devant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, devant l'Église, devant les familles, devant la famille. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Peu importe Faya et Sani, Dieu est au contrôle. Oh Jésus. Allons-y rapidement, prenons notre place et finir le service, on continue. Nous sommes en marathon. Parce qu'après ça, les mariés, je pense qu'ils vont sortir. Revenir. Oui. Que Dieu soit loué, c'est une circonstance. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Glory to God. Praise God. Hosanna.
soit loué à notre Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît, rapidement, rapidement. Un moment liturgique de change de parole et d'agneau. Ok, nous allons répéter. Notre Seigneur, attention à la mission. Merci, c'était un moment d'engagement. Nous avons passé l'après-midi chez l'État. L'État fait cela. Nous le faisons avec le Seigneur rapidement. Merci. Gloire soit louée au Seigneur. Assez Romain, répète ça après moi. Moi, dit Asanda. Oui, moi, dit Asanda. Je prends engagement. Je prends engagement. Devant Dieu. Devant Dieu. Le Père. Le Père. Le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Devant l'Église. Devant l'Église. Devant les membres de la famille. Et devant la famille. Aujourd'hui, aujourd'hui, de prendre cette alliance, de prendre cette alliance comme signe d'amour, d'amour et de fidélité, et de fidélité sur tous les domaines, sur tous les domaines, dans le meilleur, pour le meilleur et pour le pire, et pour le pire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Acclamons le Seigneur. Le micro à papa d'abord. Papa ne soit pressé pour la lien. Ça t'appartient. Moi, Lufuakenda Mbombolo. Moi, Lufuakenda Mbombolo. Je prends engagement. Je prends engagement. Devant Dieu. Devant Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Devant l'Église. Devant l'Église. Devant les membres de la famille. Devant les membres de ma famille. Aujourd'hui. Aujourd'hui. De prendre. Cette alliance. Cette alliance. Comme signe. Comme signe. D'amour. D'amour. Et de fidélité. Et de fidélité. Sur tous les domaines. Sur tous les domaines. De ma vie. De ma vie. Pour le meilleur. Pour le meilleur. Et pour le pire. Et pour le pire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Gloire soit le Seigneur. On va prendre la bague. Oui, maintenant j'ai besoin de quelqu'un pour prendre le micro. Le micro. Prends l'alliance de maman. Papa, la qui s'est ma papa m'a tendresse. Ce rêve date de 26 ans. Waouh! Je l'ai rêvé depuis 26 ans de lui mettre cet anneau. Hey. Et aujourd'hui, j'ai réalisé ce rêve. Waouh! Je t'aime. Waouh! Hey! Voilà, papa, le bien. Maman, l'alliance est là. Bonsoir à vos oreilles, Nathalie Lota. Ça a un poème. Yayo Moko. Comme la Bible nous dit, hey. L'homme quittera son père et sa mère hein? Et s'attachera à sa femme. Wow. Et les deux deviendront une seule chair. Mm-hmm. Mon cœur. Hey. Comme signe de notre amour. Je suis là à côté de toi pour te soutenir et pour te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime beaucoup. Oui, merci pour ces annonces qui ont été déjà bénis. Gloire au Seigneur.
Ne vous ingénuez pas, tel que vous êtes là, restez. Je demande à l'église de se mettre debout. Ouais, on a besoin de parler à l'église, vous m'excusez. Je demande à nous, à la salle, mes frères et sœurs, mettez-vous debout s'il vous plaît. Dieu bon, Dieu merveilleux. Dans votre main droite ici devant, commencez à bénir ces couples. Parlez de bonnes choses pour eux. C'est une grâce que juste avant de traverser l'année, Seigneur a mis dans son agenda ces choses. Bénissez-les avec un bon cœur. Prions le Seigneur. Tendre Père, de ton main, qui vient de vous mourir. Oh Jésus. Qui vient des mariages. Père, dès là, de cette cérémonie, c'est toute une vie. Merci Seigneur. Et nous voulons t'associer à l'œuvre. Sois là, dans le meilleur comme dans le pire. Sois là pour les soutenir, pour leur souffler à l'oreille. Laisse que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Si quelqu'un veut prendre le micro pour moi, merci. Merci. Sans battre quelqu'un avec ce microphone. Merci. Ok. Elohim El Shaddai. Tu es l'unique et le seul grand Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un Dieu comme toi. Nous te sommes tellement reconnaissants de ton amour que tu ne cesses jamais d'éprouver pour nous. Père, en qualité de ton esclave, la Bible dit que ce que la terre a décidé à lier le ciel s'accorde par le mandat, le pouvoir, l'autorité qui m'a octroyé. Je déclare une bénédiction sur tous les domaines, surnaturel comme naturel. Que ce couple soit béni sur tous les domaines au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que leurs ennemis soient tes ennemis. Que les adversaires soient tes adversaires. J'en ai dit toute conspiration qui ne confesse pas et qui ne confessera pas ton nom dans cette famille. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce que tu as joint, Père, personne ne peut séparer. Bénissez-les et ce n'est que la mort qui peut le séparer. Au nom de Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, je vous prie. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Didier, toujours restez debout. Papa, quelques secondes, puis sa maman lui peut prier. Elle est morte. Encore, comme mari et femme, à partir d'aujourd'hui, acclamons pour le Seigneur. Son nom change, il devient le foyer de Dieu. Que Dieu vous bénisse, acclamons pour le roi des rois. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Hosanna. Hosanna. Dans quelques minutes, ils vont sortir. Avant de sortir, et parce que je remets le micro à notre président du programme. Oui, ça de l'église. Oui, ça c'est le certificat de mariage. C'est à eux de tenir. Si vous pouvez vous mettre debout parce que les photographes vont prendre ça. Ça, c'est le certificat de mariage. Oui. Et après le certificat de mariage, j'ai le meilleur cadeau que personne dans cette salle peut donner. C'est la Bible. Notre constitution. À chaque fois, papa et maman aura des problèmes. S'ils consultent la loi ici, il y aura la solution. Et les ministères vous donnez ça maintenant. Vous avez mérité.
Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Acclamons pour le roi des rois. Ok, nous allons prier pour la table. Comme nous avons dit que nous sommes en marathon de programme, Elohim El Shaddai bénit la fonte et la production de cette nourriture sanctifiée par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, nous avons aussi dit Amen. Encore une fois, applaudissez pour notre pasteur. Encore une fois, marié comme ça va pas servir par moi quelque chose. Mon désir, celui de t'adorer.
Oh,
Papi, 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 papi